J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mon petit 4x4. Yes. Aka JNSPJ. Absolument. On va faire une petite dégustation aujourd'hui. Bio vs pas bio. Voilà. Ce n'est pas une dégustation à l'aveugle, nous savons ce qui est bio ou pas. Oui. Le but étant de réellement voir s'il y a une différence de goût gustative. D'ailleurs, si vous avez toujours pas vu la vidéo de Léa, on a fait la version vegan vs non vegan sur sa chaîne, donc je vous laisse aller la regarder. Absolument. Et nous, on va commencer de suite. Alors, tu veux commencer par le sucré? Ouais, le sucré, je vais tomber de salé en fait. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment de salé. Ah si, il y a des chips. Ouais. Donc, ah ouais, peut-être qu'on pourra faire les chips du coup, non? Peut-être tomate chips et après on fait les voilà. On a pris donc des chips. Allez, chips bio. Au sel de Guérande. Elles sont très très bonnes. Donc, j'aime bien la texture. Elles ont le label... Elles ont le label bio. Ouais, les deux labels. Elles sont très bonnes. Et celle-ci, une chambale classique. Elles sont toutes petites. Eh ben, franchement. Elles sont pas très bonnes. Elles sont pas bonnes. Mais en fait, elles sont, elles font des toutes petites miettes. Tu vois, tu sens pas le goût même. C'est un goût de rance. Ouais. Ouais, non, non, franchement, celle-ci était vraiment bonne. Après, au niveau de la compo, pomme de terre, huile de tournesol, sel. Donc ça c'est quand même voilà, et pommes de terre, huile de tournesol, sel. Donc c'est exactement les mêmes ingrédients pour le coup. Peut-être que c'est la qualité des matières premières. Peut-être. Allez, donc, une petite tomate. Donc ça c'est bio ou pas bio? Tomate. Ça c'est pas bio. En fait j'aurais pas dû te le dire pour avoir au moins avoir un avis. Ah, tomate pas bio. C'est une tomate française. La bio. Moi je trouve que là moi je préfère la bio aussi, mais après on va peut-être penser qu'on s'est biaisé, mais je te jure au niveau de la texture, ouais, les trucs, moi je moins molle, moi je préfère la bio. Je trouve que la bio elle est plus, elle a plus de goût quoi, elle est moins acide. Bah moi je trouve pas justement. Ah ouais, tu trouves que l'autre? Bah tu vois, après ça, moi j'ai préféré la pas bio, mais c'est pour ça, c'est bizarre. Bon, la tomate, ouais. Voilà, bon, on passe au sucré. Passe au sucré. La compote, allez. Quoi? Moi j'ai la pas bio, toi t'as la bio. Ça j'aime pas trop. Celle-là je les adore. Voilà. Sans sucre. Là je préfère la pas bio. Celle-là on dirait un pot pour bébé. Ah non, c'est pas bon du tout ça. C'est hyper lisse, tu vois, c'est liquide genre. C'est de la bouillie, enfin de, de la purée. Ouais bah ouais, non mais c'est pire que de la purée. C'est... Bon, ça y est, ouais, j'ai goûté. Moi je préfère la pas bio. Ouais, la pas bio, pomme pote, oui. Bon, par contre, je préfère avec sucre. Hein. Là, c'est sans sucre ajouté. Je vous avouerai que. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, mais non, my cat. Moi je préfère même avec des goûts. Bon, on va rester dans la pomme. Allez, goûte. Regarde. Juste... Pas... Du coup, je sais non, pas. Non, en fait, je voudrais juste vous faire une comparaison. Avec ça. Ça, c'est elles ont été coupées exactement en même temps. Ça, c'est la pas bio. Ça, c'est la pas bio? Oui. T'es sûre, chat? Certaine. C'est bizarre. Hein, c'est très bizarre. Mmh. Ah ouais, c'est trop ouf. Genre, elle est noire. Elle est noire et molle. Ouais. Elle est dégueulasse. Celle-là, elle est bonne, hein, la bio est bonne. Elle est farineuse. La bio est bonne. On dirait qu'il y a 3 tonnes de conservateurs, du coup, enfin de trucs. Ouais, c'est bizarre. Ben, la bio est meilleure. Je suis désolée, mais là, il n'y a pas photo. Hein. Bio, meilleure. Pour la pomme. On passe à la barquette. Et ça, la barquette, c'est notre enfance. Barquette à la fraise. Biscuit est tout mou. Mais moi, j'aime bien quand il est mou. La fraise est dégueulasse. La fraise n'est pas bonne. Je le finis pas. Ah, moi non plus. La vraie barquette. C'est la vraie barquette. Le pas bio. Pas bio. Là, on doit le dire. En fait, c'est ça, c'est que c'est bien de manger bio, mais s'ils font des imitations dégueu. Ouais, en fait, faut vraiment chercher. Je pense que les gros classiques, il faut garder les classiques, genre des barquettes lues, c'est barquettes lues quoi. Une petite barquette, c'est mon enfant. C'est quoi le gâteau de votre enfance? Dites-le nous en commentaire. Ce que vous mangez au goûter.
Moi, c'était les barquettes, les pailles d'or et les coquelines. Les coquelines. Oui, chat à l'orange. J'adorais. Oh mon dieu, chat, je vais pas tout manger, je te le dis, chocolat au lait là. Non, moi non plus. Je veux un petit croque. C'est pas bon ça. Tu as le chocolat que t'as dans les calendriers de l'avant. Et oui. Bah ouais. Je suis désolée, hein, mais le bio il a le goût de chocolat quoi. Enfin, un minimum. L'autre, le bio est bien. Oula, 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 oula. It's funding. Là, chocolat au lait, le bio est clairement meilleur. Le pas bio il a le goût de calendrier de l'avant. Les trucs pour enfants là. Il nous reste la madeleine et la confiture. Les trucs bien costauds. On commence par la confiture. Donc, et ça, on va prendre une cuillère. La première tille. Sinon, on va devoir remettre dans le pot, c'est dégueu. Donc, on fait une moitié de cuillère chacune, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, c'est bio, moi. Elle est trop bonne. Oh mon dieu, les catastrophes ambulantes. Grave. Alors, moi, je préfère la texture de la pas bio. Ah, bah, moi, je préfère la pas bio du tout, tout court. Elle est beaucoup trop sucrée celle-là pour moi. Ah ouais, mais alors elle est pas du tout bonne. Enfin moi j'aime pas du tout. C'est liquide. C'est liquide. Alors moi je préfère la texture de la pas bio mais le goût de la... Ah non mais ça, moi je préfère tout du pas bio. Combien il y a de sucre dedans? Non mais s'il te plaît, par pur. Mais attends, on vient de bouffer 3 millions de trucs au sucre. 60 grammes de sucre pour 100 grammes. Et celle-là elle a combien? 37 grammes. Non, celle-là elle est écœurante de ouf. Bah moi j'aime le sucre. Oui. Dernier. Alors, la madeleine. Allez, la madeleine. La madeleine. C'est aussi le gâteau de notre enfance. Bah ça. Oui, ça c'est... C'est la madeleine de peau. C'est la madeleine trempée dans le thé avec les grands-mères. Grave. Elle est un peu sèche. Elle est au citron quoi. Non. Elle est sèche. Elle fait un peu étouffe crétière. C'est l'expression. Attends, on va goûter la pas bio. La couleur a rien à voir. Ah là. Ouais, non mais c'est chaud. Rien. Il y en a une qui est blanche comme un derche et l'autre qui est trop cuite. C'est peut-être pour ça qu'ils sont... On va les... Il faut régler les fours dans les usines. Hein. Pas bio. Pas bio. Et vous voyez, c'est de la marque Carrefour. Hein. Donc le chic, ça voulait rien dire. Non, franchement, pas bio pour la madeleine. Donc, c'est pas gâché. Franchement, bio ça change pas le goût. C'est pas comme si c'était vegan ou sans gluten ou sans machin, sans truc. En fait, tu vois, je pense que pour les fruits et légumes, etc. Enfin, moi je sais que je privilégie les fruits et légumes bio, tout ça. Chacun fait comme il plaît, mais en fait, ça, ouais, ça changera rien au niveau du pain. Faut tester, goûter. Et on est là pour vous aiguiller. Voilà. Et on vous mettra en commentaire, je vais envoyer à Juliette, l'addition des produits bio et l'addition des produits non bio pour voir la différence de prix. Bah oui. C'est un petit peu le truc. C'est ça qui joue aussi, voilà. C'est que le bio, moi je trouve ça très cher, c'est ce que je disais à Léa, je trouve ça trop cher. Tout le monde ne peut pas se permettre de bouffer bio. Malheureusement. Non. Donc n'hésitez pas, comme sous la vidéo de Léa, à nous dire en commentaire si vous avez des idées de dégustation, de tests, produits, que nous, quelconque, que ce soit nourriture, pas nourriture. On préfère la nourriture, hein, soit ils sont pas sort. Bon, voilà, c'est un peu. En tout cas, ben, on espère que ça vous a plu. Absolument. Et puis dites-nous aussi si vous mangez bio ou pas bio. Est-ce que vous privilégiez? On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.